J'ai fait le pari que mes lecteurs n'avaient pas assez de temps pour réfléchir, hein, sinon je n'aurais pas fait ce livre. Donc j'ai essayé de le faire un petit peu à leur place, c'est-à-dire d'enquêter pour qu'ils sachent ce qui est en train de se passer, pour qu'ils soient alertés sur les risques qui se déroulent autour d'eux. Je me suis aperçu que quand on commence à tirer sur le fil du court terme, tout vient avec. La politique et son rythme effréné. La finance et cette instantanéité permanente. L'économie qui est de plus en plus rythmée par le besoin de résultats immédiats. Notre rythme de consommation, nos relations personnelles les uns avec les autres, nos modes de communication où il faut répondre tout de suite dans l'instant. Et la seule chose sur laquelle nous n'allons pas vite, c'est pour les décisions à prendre en matière d'environnement, où là, au contraire, il faudrait prévoir à 20 ans, 30 ans, 50 ans. Imaginez que vous soyez dans une voiture la nuit et que plus elle accélère, plus la portée des phares diminue. Est-ce que vous resteriez dans ce véhicule? Eh bien, c'est là où nous sommes tous en même temps. Et c'est ça dont je me suis rendu compte en écrivant ce livre.